Ah Waris, on va être en retard à l'école. Ah oui, c'est l'heure d'aller à l'école, go. Mais en vrai, j'ai un peu la flemme, je préfère jouer ici. Ouais, moi aussi, allez hop, c'est parti, on jump, hop là. Ouais, trop bien, tu connais la nouvelle voisine qui habite là-bas? Une voisine? Non, je l'ai pas vue, c'est qui? Je sais pas, ce qui est pareil, il y a des nouvelles personnes qui ont aménagé dans la ville. Ah ouais, super, comme ça, ça va être ma copine. Ouais, et à ce qui paraît, c'est une fille, et elle a à peu près notre âge. Et bah justement, ça sera ma copine. Ouais, je sais pas, moi bah, j'espère qu'elle est pas qu'elle est cool parce que les filles c'est quand même super relou hein. Ah oui c'est vrai, qu'est-ce que tu t'entends par là, t'as le cadeau? Bah les filles c'est énervant parce que elles embêtent à fond les garçons. Ah ouais, et en plus des fois elles leur brisent leur petit cœur. Ouais ça arrive souvent, j'ai eu plein de potes à qui c'est arrivé. Ouais moi aussi j'ai un pote à qui c'est arrivé récemment. Ah ok. Ah regarde là-bas il y a le papa, attends, papa Anna. Oh regarde là-bas. Ah il y a la fille. Ah ouais il y a la fille. Regarde. Oh, comme elle est belle. Ouais, ça va. Elle est sympa. Oui, elle est sympa. Ah non, mais si, moi, elle me plaît beaucoup, Del Cado. Elle est vraiment super jolie. Ah, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Mais je connais pas les gens. Ah, mais on va pas vers eux, de toute façon. Viens avec moi, on va aller vers là-bas. Ok. Oh non, Del Cado, il change de direction. Attends, à quoi elle ressemble? Oh, regardez, on est là, nous, regardez. Sois discret, Riz. Anna. Anna. Salut. Ah, salut. Salut, ça va? Salut, ça va? Papa, regarde, ils ont mon âge. Oui, ils ont ton âge, oui, c'est cool. Tu les verras plus tard. Viens avec moi, on n'a pas le temps là. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, les enfants. Vous allez bien? Vous appelez comment? Je m'appelle Del Cado et ça, c'est mon pote Awariz. Coucou. Awariz et Del Cado. Ah, j'adore. Ta casquette, t'as le cadeau. Ah, merci. Tu rentres en quelle classe? Moi, je rentre en CE1. Ah, nous aussi, on rentre en CE1 avec Awariz. Allez, Anna. On est dans la même classe. Ouais, on y va. Vas-y. Allez, les enfants, laissez Anna tranquille, là. Au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Wow. Awariz, il est super sévère, son père. Ouais, il est très aigri, t'as le cadeau, son père. Il de fou, pas hein. Que sa fille nous côtoie. Ouais, regarde. En vrai, elle a l'air plutôt sympa comme fille, hein. Regarde, il passe vers ma maison. Ouais, il passe devant chez toi. Elle va aller chez moi. Attends, pourquoi elle revient? Qu'est-ce qu'elle veut? T'as le cadeau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux jouer avec toi, t'as le cadeau. Jouer avec moi, mais ton père, il t'a dit de suivre. Je veux jouer avec t'as le cadeau. Non, tu ne joueras pas avec t'as le cadeau, tu viens avec moi tout de suite. Oh, mais, monsieur, si vous voulez, elle peut s'amuser avec moi, si vous voulez. Non, encore moins même, je dirais. Allez, Anna, viens ici. Oui, papa. Ouais, ok, elle est sympa, cette fille, elle a l'air super cool, en vrai. Oh, je crois que t'as le cadeau, t'as de la chance, je crois que t'as une touche, elle fait que venir vers toi. Ouais. Je veux surtout pas que tu fréquentes des garçons comme ça, Anna, ok? Bon, papa, ils ont l'air gentils. Ouais, ils ont tous l'air gentils comme ça, mais... Attends, mais je crois que son père, il nous aime pas, hein. Il nous prend pour qui? On n'est pas des racailles, on parle super bien. Bah ouais, on parle super bien. En plus, on est qu'en CE1, je comprends pas, moi. Bon, On a une attitude correcte, quand même. Bah ouais, moi, je trouve qu'on a une attitude vraiment super correcte, même. Irréprochable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu la trouves belle, toi, Anna? Ouais, bon, j'avoue, en vrai, t'as le cadeau, oui, je la trouve belle. Mais par contre, tu dis qu'on a une attitude irréprochable, mais tu t'en souviens de ce que t'as fait la semaine dernière? J'ai fait quoi la semaine dernière? Oh, mais pourquoi tu fais genre, tu t'en souviens pas? T'avais fait caca dans la trousse de Grégory. Ah, chut, Awariz, le dis pas, ça. Les garçons! Rien, qu'est-ce qu'il y a, Anna? Mon papa, il me suit! Écoute ton père! Allez, tu viens, là, tout de suite, on rentre! Oui, d'accord, on rentre! Ah, t'as pas le choix, hein! Je crois que t'as pas trop le choix, Anna! Donne-moi la main pour traverser, donne-moi la main! Ravi d'avoir fait votre connaissance, en tout cas, bonne journée! Oui, bonne journée, ouais! Waouh! Ah, ouais, il est vraiment bas des grilles, hein! Et il est vraiment super aigri, j'en ai jamais vu des comme ça. Ah, c'était trop bien cette journée à l'école, vraiment. Franchement, trop bien. Bon, j'ai eu une mauvaise note, j'ai eu un 2 sur 10, mais c'est pas grave. Ah ouais, t'as eu un 2 sur 10? Waouh, moi j'ai eu un... Non, mais moi j'ai pas eu 2 sur 10, moi j'ai eu 5 sur 10. Oh non, tes parents ils vont être super contents, moi ils vont mettre la fessée. Non, moi ils vont être super contents. Ah, Anna, ça va? Coucou, t'as le cadeau, j'ai pensé à toi toute la journée. T'es pas venue à l'école aujourd'hui? Non, vu qu'on vient d'emmener. Mon papa, il a dit que j'allais pas à l'école aujourd'hui. Ah ok, d'accord. Hey Anna. Oui. J'ai pensé à toi toute la journée aussi. Ah bah pas moi. Moi j'ai pensé à t'as le cadeau toute la journée. Ah bah si je vous dérange, je vous le dis, je me reviens. Awariz. Ouais. Je crois qu'elle est amoureuse de moi, la fille. Oh, je crois que t'as une touche, t'as le cadeau. Anna. Wow. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Mais ça c'est encore de la faute à t'as le cadeau, ça. Il a une mauvaise influence sur toi. Redescends tout de suite.
Non, j'ai rien fait, moi, monsieur, désolé. C'est complètement de ta faute, t'as le cadeau. On m'avait prévenu que les garçons ici, ils étaient pas fréquentables. Rentre à la maison. Quoi? Mais j'ai fait quoi, moi? J'ai rien fait du tout. Écoutez-moi bien, les deux petits gamins, là, je veux plus vous voir approcher ma fille, c'est bien compris? Ok, monsieur. Ok. Allez. Moi, j'ai envie de m'approcher, on va voir ce qu'il va faire. Ouais, attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est malade, celui-là. Non, mais... Il est vraiment trop strict. Le père d'Anna est vraiment super sévère. Bon, écoute, Avril, je vais devoir te laisser. Mes parents, ils m'appellent pour manger, ok? Ok, bon appétit. Vas-y. Moi aussi. Moi, sinon, papa et maman vont grave pas être contents que je rentre aussi tard, sachant qu'il va bientôt faire nuit. Ouais, il faut vite que je me dépêche. Oh là là, ils vont me disputer très très fort. Papa, maman, j'arrive. J'espère que la nourriture est prête parce que j'ai super faim. Wesh, il fait quoi, Waris, là? Il met grave du temps à arriver. On se donne tout le temps rendez-vous à l'heure. Mais il est même pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'en ai grave marre, là. Il fait quoi? Oh là là, les cours... cadeau, je suis là. Ah, Waris, tu fais quoi, là? On a cours, wesh. Ah, ça va, gros. Ah ouais, ça va, tranquille. Viens, on va en cours. La famille, les amis. Tranquille. Viens, on doit se dépêcher parce que là, ça fait une semaine que je suis pas allé en cours. Ah, wesh, moi aussi, wesh. Ah ouais. Ah, mais t'as changé de coupe de cheveux? Oui, effectivement, j'ai changé de coupe de cheveux cette semaine, tel cadeau. Ok, bon, allez, vas-y, on va en cours parce que là, waouh, je pense que le prof il va pas être super content. Ça fait une semaine que je sèche et il va être super vénère. Tu t'es le prof, s'il te dit quoi, tu lui réponds quoi? Quoi coubé? Ouais, tu réponds quoi coubé? Ouais, moi je suis trop un gang. Alors, les célibataires, vous allez bien? Célibataire, mais célibataire, que je m'en fous d'être célibataire. Ouais, on s'en fout, nous on a pas besoin de femmes dans notre vie, hein. Ouais. Si, tout le monde a besoin de femmes. Mais j'en ai rien à faire. Vous êtes vraiment deux gros clochards là, vous êtes pas comme moi là. Vous pouvez pas faire tomber une fille par une fille là, vous êtes trop nul. Moi j'arrive, boum, balayette, boum, elle tombe. Balayette dans la fille, comme ça là, boum. Eh ouais. Mais vous êtes vraiment des gros nuls, hein, vous comprenez vraiment rien. De toute façon, il s'en rigole, fiche. C'est bon. Avoir résolu, il veut juste être riche. Ouais, moi, hein, simplement, mon objectif dans la vie, c'est devenir multimilliardaire comme Elon Musk. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des filles après et tout. Bon, allez. Ouais, en vrai. On a cours. J'espère que le prof il va pas me disputer. Ah, il y a Anna. Oh, oh, coucou. Salut Anna, ça va? Ouais, tranquille. Ah, je suis contente de te voir, t'as le cadeau. Et moi. Ah, Waris aussi, hein. Elle est super jolie, ta chemise. Et t'as eu ma coupe de cheveux? Ouais. J'ai plus de calvitie. Ouais, c'est. Mais t'as déjà eu une calvitie à Waris? Oui, bah quand je suis né, j'avais pas de cheveux. Ah, Ouais, c'est vrai qu'entre la naissance et l'adolescence, c'est vrai que les cheveux ils ont poussé. Waouh, Waris, t'es trop intelligent. Ah oui, j'ai mis de l'eau, j'ai pris ma douche et ça a poussé vu que ça les a arrosé mes cheveux. Ouais, t'as raison, Bien vu. En tout cas, jolie ta casquette, t'as le cadeau. Ouais, merci, c'est ma nouvelle casquette. Et t'as pensé quoi de mon pull? Ouais, j'adore ce style, ça va super bien. Ouais, toi aussi, c'est un pull militaire. Ça va, bon, on a cours, hein, on y va? Ouais, on y va. On se met à côté, t'as le cadeau. Non, moi je me mets avec Avaris, désolé. Allez, s'il te plaît, on peut se mettre à côté. Anna, je t'ai déjà dit que moi je suis avec Avaris. Oh, ok. Alors, ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que t'as toi? Ouais, ça, on s'en fout, on t'a déjà dit. Y'a un problème, Josh? Ah ouais, bah pourtant vous avez l'air de bien l'aimer, hein. Bah ouais, on est gros, vous arrivez même pas. C'est notre pote. C'est l'ami. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous. Bah quoi, amitié, fille garçon, t'y crois pas toi? Ah mais non, mais moi je crois jamais à ce genre de bêtises là. C'est vraiment des trucs de petits garçons. Bon, allez, vas-y, ouais, viens, on s'arrache. On veut pas te parler, Josh. Y a le prof qui est là. Ok, il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer les carreaux. Bon, faut que je me fasse tout petit, sinon il va clairement me choper. Allez, vite. Allez, hop là, tac, je vais aller au dernier rang. Hop là, c'est bon, je suis au dernier rang. Ah, bon, ok. Oh, bonjour les enfants, je vous avais pas vu. Bonjour. Oh, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Trop bien. Aujourd'hui, mathématiques. Trop bien. Allez, prenez tous les livres que vous avez dans vos casiers, s'il vous plaît, on commence. Ok, pas de soucis, j'ai pas mon livre à Riz. Je crois que moi... Non plus, t'as le cadeau, je l'ai oublié chez moi. J'espère que vous avez vos livres. Ouais, bien sûr, monsieur. Ok, bien sûr. Bon, sortez-les alors. Ouais, on les sort. Bon, attendez, il est dans mon sac. J'y lis bien en profond dans mon sac. Attendez. Ouais, si, je fouille dans mon sac. C'est bon, monsieur, vous pouvez retourner à votre place. Ouais, c'est pas, je vais le trouver. D'accord, ok. Anna, psst. Tiens. Merci. Et moi. Ok, parfait. Merci. Ah, merci. Waouh, ok. Donne-le-moi, rends mon truc. Désolé, Anna, elle nous aide bien quand même, hein. Elle est quand même vachement gentille, hein. Ah ouais, franchement, c'est une fille, elle pense à tout, on a de la chance quand même, hein. Ah, alors que nous, on est vraiment débiles, les filles, elles sont vraiment trop intelligentes. Ouais, vraiment. Alors aujourd'hui, nous allons parler du... Oui. J'ai ma maman qui a écrit un truc pour vous.
coup. Ah. Oh. Voilà. Comment ça? Attends, mais sa mère, elle lui fait encore des mots dans le carnet, mais il a quel âge? Elle est bizarre, sa mère. Ok, je répondrai à ta mère plus tard, j'y passerai un coup de téléphone. Alors, donc aujourd'hui, je disais, nous allons... Ça m'a tout... excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons donc parler du théorème de Pythagore. Tiens, théorème de Pythagore, est-ce que ça vous parle? Vous connaissez? Ouais, on sait ce que c'est le théorème de Pythagore, monsieur, on sait ce que c'est trop facile. Ah, bah viens au tableau et explique-nous alors. Allez, au tableau? Oui, mais viens. Bon, alors, c'est simple, en gros... C'est l'hypoténuse avec le plus grand côté opposé est égal à la longueur des carrés des deux autres côtés. C'est ça. C'est une blague là ou quoi? Josh! Attends, tu veux jouer à ça, Josh? Tu veux qu'on se règle? Attends! Bouh, je vais m'occuper de toi, Josh! Bouge de là! Arrêtez, Josh! Tu sais quoi? On va se régler à la sortie, hein! Allez, prenez des bols de riz! Tous à vos places! Oui, monsieur, tout de suite! Alors là, ça va pas le faire du tout. Awaris, Talcado, Josh, vous aurez une heure de retenue. Quoi? Non. Mais non, mais c'est de sa faute, mais c'est lui là. Mais c'est leur faute. Mais non, c'est lui. C'est des gros forceurs là, ils sont trop nuls. Je veux pas savoir qui a commencé, c'est vous trois. Une heure de retenue, c'est tout. Point. Quoi? Non. Une heure de cacheux. Vous verrez, monsieur, vous allez avoir une note de ma mère. Eh, tu sais quoi, t'as rien compris, Josh. Le prof, il veut juste pécho ta mère. Je te permets pas, Warren, mais... Je sais. Comme ça, vous voulez gérer la mère de Josh. Ta mère, elle veut se faire gérer monsieur, par le prof. Monsieur, vous allez voir. Vous allez payer. Venez ici. T'inquiète pas. Ils ont s'occupé de lui. C'est ça, grenouille. Grenouille toi-même. Allez, bouge de là. C'est moi qui te mets la misère. Allez, dégage. Allez, dégage. Vous voulez vraiment jouer à ça? Vous allez voir. Anna. Oui. Désolé pour ce qui s'est passé. Ça vous regarde, vous. Vous allez aller en retenue, c'est tout. Ouais, on va aller en retenue. Mais après, c'est un peu bad boy, quoi. Moi, je monte chez moi et vous allez en retenue. Allez, bye. Vous allez voir, vous allez mériter. Vous allez vraiment goûter à mon épée. Ouais, c'est ça. S'il faut que je vous tape maintenant avec, vous allez voir, vous allez bien le mériter. Bon, du coup, on va en retenue. On a pas que ça à faire, nous. La prochaine fois qu'on va se voir, vous allez le payer très cher. Ouais, c'est ça. Les retenues, c'est là-bas. Vas-y, go. Ah là là, bon, on va pas se regarder dans le blanc des yeux, là. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est là. Je commence à en avoir marre, moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à cause de toi qu'on est là, espèce de bouffon, va. C'est surtout de votre faute que celui-ci, bande de célibataires de caca pipi. C'est très mature. Ah ouais, j'ai une idée. Viens ici, regarde. Hop là, regarde ce que j'ai. Regarde ça, c'est super cool. C'est quoi? Ah, regarde. Reculez. Regardez ce que j'ai. Boum. Ok, parfait. Tiens, Josh, va de l'autre côté, toi. Va de l'autre côté. Hop là. Allez, ciao, mon gars. Ok, on va pouvoir se barrer. Anna, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, on a fait, comment dirais-je, une petite... Aidez-moi! Une petite bêtise, Josh, c'est ça. Libérez-moi, ou Josh, je vais appeler le directeur. Je m'en fous, Josh, j'avais oublié de te dire un truc, je sors avec Anna. C'est pas possible. On est ensemble, Anna. Ouais, je sors avec Anna. Qu'est-ce que t'es pas content pour moi? Ah si, trop content, t'as le cadeau, let's go. Wouhou. Je pourrais plus nous traiter de célibataire, espèce de bouffon. Allez. Le cadeau, ça dit qu'on aille manger quelque chose tous les deux, du coup. Ouais, bien sûr, Anna, vas-y, on va manger un truc ensemble. Ah, ça va, t'aimes bien alors? Moi, j'adore, vraiment, c'est super bon, hein. Ouais, ah, c'est trop bon. Tiens, finis le sandwich, t'inquiète, j'en veux pas. Ok. Miam. Ce premier date s'est bien passé en vrai, non? Ouais, c'est vrai que ça s'est trop bien passé. Mais pourquoi t'as dit que je suis ta petite copine? Je suis vraiment ta petite copine. Bah, en vrai, ça te chauffe, toi, que ce soit officiel un peu? Ah, bah, moi, oui. Ah, bah, en vrai, moi, ça me chauffe aussi, hein. Avec plaisir. Ok, bon, bah, on sort ensemble. Attends. Ouais. Qu'est-ce que Josh fait là? Je crois qu'il nous espionne. Je crois qu'ils m'ont vu. Attends, il nous espionne, mais pourquoi il est là? Attends, où est-ce qu'il est? Là. Bah, je sais pas où il est. Attends, c'est qui? Maman, Josh? What? Attends, il y a la mère de Josh, Anna, t'as vu? Regarde. Ouais.
Mais attends, attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Cache-toi. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Attends, c'est qui? Quel prof! Non, c'est pas vrai! Oh, bonjour monsieur! C'est pas comment vrai! Comment ça va? Oui, ça va super bien et vous? Ah, ça va super bien depuis que je suis assis en face de vous! Oh, c'est pour moi, c'est magnifique beaucoup! La merde de Josh, elle est en train de se faire pécho! Tournez-toi! Ah, Josh! Espèce de sale clown! Ta mère, elle est en train de se faire pécho par le prof! Non, mais maman, regarde ça. Maman, tu fais quoi avec le prof? C'est pas ce que tu crois, Josh. Maman, tu dégoûtes trop. Oh merde. On parlait de tes notes. Anna, le prof, il avait un rencard avec la mère de Josh. C'est énorme. Oui. Mais attends, mais j'ai jamais vu ça. Trop drôle. Reviens, fiston. Oh là là, Anna, et on va pouvoir charrier Josh tout le temps, hein. Ça va être trop drôle. Ouais, vraiment. Fiston, reviens, fiston, t'es où? Non, maman, tu me dégoûtes trop. Mais c'est rien, Josh, c'est la vie. Oh là là, c'est énorme. C'est trop drôle. Ah, avec ma petite femme, on s'est acheté une magnifique maison. Regardez avec Anna, on a un cœur juste là devant notre maison. Anna! Oui! Ça va? Je suis derrière? Ouais. Ah, elle me voit pas. T'es où? Je suis ici, je suis dehors, Anna, je suis dehors. Dehors? Ouais. Mais je te vois pas. Là, Anna, ça va? Ça va, ma petite femme? Oui, ça va, regarde, j'ai préparé le poulet. Ah, c'est bien. Écoute, je crois que j'ai pensé à quelque chose, Anna. Ouais, dis-moi. Il faudrait qu'on adopte un enfant. Je suis d'accord. Parce que je trouve qu'il manque quand même une personne autour de cette table. T'as raison, regarde, il manque un mini poulet ici. Ouais, moi je trouve qu'il manque un mini poulet. Ou alors le mini poulet, il est aussi pour moi parce que moi je suis vraiment un gros mangeur. Sale cadeau. Oui. Moi je suis d'accord qu'on adopte un bébé, mais on a peut-être pas assez d'argent après l'achat de la maison. C'est vrai qu'il va falloir peut-être que je retourne bosser, hein. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Tu sais quoi? Va travailler et moi je vais essayer de trouver un enfant dans une agence d'adoption. Ouais, je sais qu'à Waris il tient un magasin de vêtements depuis qu'il est avec sa femme. Et peut-être que il va pouvoir m'employer pour que je sois vendeur dans sa boutique. Ouais, je pense. Vas-y. Moi je vais aller chercher un enfant. Tu vas chercher un enfant? Bah ouais. Attends, mais tu vas l'acheter au supermarché ou quoi? Non, je vais aller dans l'agence d'adoption. Ok, bon bah écoute, on se retrouve ce soir, ok? Ouais, à ce soir. Vas-y, bisous. Ah bon, depuis qu'Awariz est le gérant de ce magasin, bon, je vais aller le voir, je vais lui demander. Ah, Awariz est là. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous auriez ce pantalon-là en beaucoup plus moulant, s'il vous plaît? En plus moulant, alors dis, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Tenez. Hop là, en plus moulant, ça serait une taille S, XS. XXS. Ah, du XXXXXS, ok, hein, je regarde ça tout de suite. Awariz, bonjour monsieur, j'ai excusez-moi. Trouvé. Bonjour monsieur, c'est bon, hop là. Oui, ça merci, va, bonne journée. Ouais, toi, t'as le cadeau. Ouais, ça va. Écoute, Awariz, c'est un peu dur en ce moment. Je suis un peu au chômage. Et je voulais savoir, y a moyen que tu m'emploies dans ton magasin? Que je t'emploie dans mon magnifique magasin? Ouais, tu pourrais. Mais pourquoi? T'as besoin d'argent? Écoute, avec Anna, on prévoit d'adopter un bébé et il faudrait qu'on ait de l'argent. Et pourquoi adopter? Vous pouvez pas en faire un naturellement? Non, on peut pas. Pose pas ce genre de questions, Awariz. C'est un sujet assez tabou. Moi, oui, c'est indiscret, je suis désolé. Ouais, oui. C'est super indiscret. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut adopter et faire plaisir à un enfant qui n'a pas de parents. Et ça coûte combien? Non, écoute, ne parlons pas argent. C'est aussi une question tabou. On n'achète pas les enfants, ok? C'est juste qu'il va falloir qu'après on puisse l'élever, etc. et qu'on puisse subvenir à ses besoins. Sauf que Anna ne travaille pas, puisqu'elle reste à la maison. Vous l'avez là? Comment? Vous l'avez l'enfant? Non, on l'a pas, Awariz. Je veux juste que tu m'emploies, s'il te plaît, emploie-moi. Je veux bien, t'as le cadeau, t'employer, mais je veux savoir d'où va provenir l'enfant. Non mais écoute, Awariz, écoute, moi et Awariz. Parce que j'en ai vu pas très cher au Super U, t'as le cadeau, tu crois il y en avait un? Non, ça n'existe pas ça, Awariz, je veux que tu m'emploies. Oui j'avoue, je dis n'importe quoi, allez je t'emploie, t'as le cadeau, je voulais pas t'employer au début, mais d'accord. Ok, super, bon tu m'expliqueras c'est quoi le taf hein. Tu dois justement des t-shirts et simplement tu dois donner les tailles adéquates pour les clients. Si le client, tu vois tout à l'heure, il voulait une taille XS, ben tu lui donnes une taille XS. Et okay. S'il y a pas, essaye de lui proposer un autre modèle. Ok d'accord, pas de souci. Bon bah je vais voir comment ça fonctionne. Et vu que je suis gentil, t'as le cadeau. Attends, je regarde ça dans mon portefeuille. Si j'arrive bien à ouvrir. Attends, je vais dans la cabine d'essayage parce que je veux pas que tu voyes tout l'argent qu'il y a dedans. Ok. Voilà le premier client. Ah, ok.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous souhaitez, monsieur? Est-ce que vous vendez le même t-shirt que je possède déjà, mais en bleu foncé? En bleu foncé. Alors, attendez, on va essayer. Je vais essayer de voir si j'ai ça, monsieur. Bleu foncé. Ouais, je crois que je l'ai juste là. Alors, attendez, il vous faut quelle taille? Du XS, s'il vous plaît. XS, ok. Ouais, XS, juste là, monsieur. Juste là, hop là. Merci. Combien je vous dois? Ça fera 64 diamants. 64 diamants. Ouais, 64 okay. diamants. Bah, vous pouvez me régler la caisse, monsieur. Venez. Venez, ok, vous. Ok. Hop là, tac. Allez, réglez ça. Hop là, faites-moi voir. 64, vous m'avez dit. Ouais, c'est ça. Hop là. Ok, merci beaucoup, monsieur. De rien, merci à vous. Bonne journée. Okay. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. J'ai fait ma première vente. Let's go. Bah, tu sais quoi, Talcado, t'as un bon employé, donc je te paye directement en avance, tiens. Quoi, sérieux? Mais attends, mais ouais. Il faudrait que j'essaie quand même de voir s'il y a d'autres clients. Ouais, tu peux, t'inquiète, moi je vais m'absenter, tu fermes le magasin quand tu pars. Ouais, d'accord, pas de soucis, Awariz. Allez. Bon, c'est bon. Là, déjà, j'ai un petit peu d'argent. Bon, alors je vais mettre ça ici. Ça, c'est ce que le t-shirt qui a été vendu. Et moi, je vais prendre une commission. Je vais prendre ça. Ok, donc Awariz m'a. Bah non, Awariz m'a déjà payé dans tous les cas, donc c'est bon. Hop là. Ah, bon, bah la journée fut vraiment intéressante. Première journée de travail terminée. Haha, je suis super content. Je vais rentrer voir ma petite femme. J'espère qu'elle va bien aller et que tout cet argent va subvenir aux besoins de mon futur fils ou de ma future fille. Anna, me voilà. Viens. Viens, petit bébé, viens te présenter à papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bébé. Bon, c'est quoi là? Le bébé? Il est là. Vas-y, sors d'ici. Vas-y, sors. Oh, il est tout humide. Oh, t'as vu comme il te ressemble en plus. J'ai trouvé un bébé qui te ressemblait. Et j'ai mis les mêmes vêtements que toi. Attends, tu l'as habillé comme moi, mais c'est pas un peu bizarre quand même? Non, c'est trop mignon. Ah, du coup, tu lui imposes un style. T'as le cadeau, c'est un bébé, il s'habillera comme il voudra plus tard. Il y a Awariz qui est là. Salut Awariz. Salut, du coup, t'as le cadeau, t'as bien fermé la boutique? Ouais, la boutique est fermée, t'inquiète pas. Ok, nickel. Du coup, vous avez réussi à trouver? Ouais, on a trouvé. Il est là. Il est ici. Vous êtes allé où du coup? Où est-ce qu'il est? Il est où? Pourquoi il est dehors? Pourquoi il est dehors? Hé, bébé. Il s'échappe. Viens ici. Ok. Viens ici, allez. Il est reparti à l'instant primaire, hop là. Hop là, allez, Anna, ramène-le. Bon bah voilà, ouais, on l'a adopté. Fais voir à quoi il ressemble. Mais pourquoi il ressemble à Talcado? T'as vu comme il lui ressemble? Mais attends, comment vous avez trouvé un bébé à adopter qui ressemble à Talcado? Non, en vrai, il me ressemble pas. C'est juste Anna qui lui a mis les mêmes fringues que moi et on dirait qu'il me ressemble, mais il me ressemble pas en vrai. Oh, il a une sale tête, hein. Ouais, doucement, oh, c'est mon fils maintenant, hein. Il est vraiment horrible, Talcado, ton fils. Faut lui donner un prénom, Awariz. Et t'as une proposition, Anna? Bah, vu qu'il a une sale tête, non, je plaisante. Mon fils n'a pas une sale tête. Bon, du coup, Grégoire, c'est bien comme prénom. Non, hein, Grégoire. Ouais, c'est très Grégoire. Bien. Grégory, j'aime pas trop. Grégoire, c'est bien. Allez, Grégoire, remonte dans l'eau. Allez, Grégoire, allez. Mais si. Ah ouais, tu peux aller l'aider à souvenir. Ouais, je vais l'aider. Monter de l'eau, allez, vas-y. Allez, hop, parfait. Là, c'est parti. Ah, super. Anna, ça va? Anna. Je me sens mal, Talcado. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Anna? Je me sens très très mal. Oh non, Anna est super souffrante. Non, Anna. Écoute, je vais appeler un médecin, ok? Ok, laisse-moi appeler un médecin. Je vais appeler un médecin. Ok. C'est parti. Ah, c'est parti. Je vais appeler le médecin. Je me dépêche. Ok. Bon, les secours vont être là d'une minute à l'autre. Anna, le médecin arrive, ok? Et les pompiers arrivent, ok? Anna! Non! Anna! Oh non! Non, Anna! Anna est morte, je crois! Anna, qu'est-ce qui s'est passé, Anna? Qu'est-ce que t'as eu? Oh non, je crois qu'Anna est morte, les amis. Oh non. Toc. Oh, c'est qui? Il faut que je vais aller ouvrir. C'est qui? Mais c'est Awariz, attendez. Toc. Awariz? Non, c'est pas Awariz, t'as le cadeau. Bah si, c'est Awariz, si. Non, maintenant tu m'appelles plus Awariz. Et je t'appelle comment? Tu m'appelles... j'ai pas envie de le dire, t'as le cadeau. Ok, bon, Awariz, écoute, y a un problème. Y'a quoi? Awariz, Anna est morte. T'as le cadeau, c'est quand même incroyable qu'avec toute cette année, t'as pas de barbe. Ouais, mais moi parce que je rase. Ah, moi je rase pas. Moi je suis un berbe. Bon. Ah moi non. Écoute, il va falloir que appeler et qu'elle aille au paradis, Anna. Non. Oh, Anna. Let's go. Eh, t'es sûr, t'as le cadeau qu'elle est morte, hein? Bah oui, elle est morte, Awariz. Champagne. Anna. Mais pourquoi tu pleures, t'as le cadeau?
Mais pourquoi tu pleures, tel cadeau? Elle faisait que nous casser la tête. Ah, Wari, c'était ma femme quand même. Mais c'est pas grave, tel cadeau, une de perdue, 10 de retrouver. Mais tu crois qu'à mon âge, je vais retrouver une femme? Oui, j'avoue, à 5 ans. T'as quel âge? 98 ans? Ouais, ça doit être ça. Ah, ouais, 98 ans, ça va être chaud. Bon, j'avoue, non, ouais, c'est pas très drôle, faut pas rire de ça. Bon, tu sais quoi, je vais dormir à côté. Oh, ma femme, Anna, tu es là. Oh, tel cadeau, je suis là. Nous nous retrouvons au paradis. Oh, oui. Oh, oui, comme. On est bien et on vole. Oh, c'est super. Je suis super heureux de me retrouver avec toi, Anna. Oh, moi aussi, t'as le cadeau. Je voudrais jamais être séparée de toi. Nous sommes liés pour l'éternité. Oui. Oui. Bon, les amis, il y a tout simplement deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était t'as le cadeau et Anna. Ciao, ciao, les potes.